Posez-vous votre femme. Non, merci, je prépare la garde. Ah, bon. Et quand
Blanche-Neige. C'est un bien joli. Oui, assez joli. Bon, vous avez pris les bras, il avait très joli. C'est important que la mère ait. Ensuite, eh bien, pendant les premiers mois, nos relations étaient plutôt bonnes, mais je suis là pour vous donner un deux, la petite s'est mise à grandir et tout en grandissant, elle est devenue jalouse. De moi, bien sûr. Il faut la reprendre, cette enfant, son père est tout amoureux de moi, je suis vrai. Et puis elle, sans être contrôlée, m'emmène, elle est comment dirais-je ? Ordinaire, connue, elle ne veut pas se comparer à moi. Et vous voulez la reprendre ? La reprendre ? Non, non, pas voir tout le monde. Si je sais qu'elle est heureuse, d'ailleurs, je la laisse faire, je dis que mon enfant. Je voudrais seulement me faire cette forme en signe de réconciliation. Vous êtes excellent, vous avez deux. Merci. Par ailleurs, cette femme a la foi à vous. Ne touchez pas à ce coup. Dans ce cas, je vais tâcher de vous renseigner. Miroir, petit miroir au mur. Oui, mais peux-tu me dire où est Blanche-Neige? Oui, je peux te le dire. Déjà, dis-le donc. Elle est une petite maison plus profonde dans la forêt. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle y fait la vaisselle, la lessive, le repassage, elle balaye le plancher, remplit de chaussettes, prépare le repas, fait les lits et le ménage. La pauvre enfant, mais c'est affreux. Comme elle va regretter. Merci, monsieur l'inspecteur. Je vais tout de suite la délivrer. La pauvre femme, j'espère qu'elle va la retrouver, sa Blanche-Neige. Et qu'elle sera la moindre sur ses voisins. Mais elle n'a pas de travail. Au suivant! Un chat, 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 un
une porte de jupe que je lui ai confectionnée moi-même. Quatrièmement, en fait, il y a la Alors, je t'écoute.
Salut, ça fait. Allez, on va faire prochain. Je ne pense pas. Et que fait-elle dans l'existence? Elle dort. Et que va faire le prince pour la retrouver? Et si on retourne dans la forêt? C'est tout? Je ne peux pas aider? Oh, si. Comment? Soit qu'il y a trop. Très vite, qu'il y a trouvera. Comment cela? Je ne suis pas magicien. En ce moment, si. Je comprends de moins en moins. Mais puisque c'est ainsi, mon prince, je vous souhaite de retrouver tout de suite la maison de sa vieille. Merci, j'ai vu. Peux-tu me dire où se trouvent les haricots de Jack? Oui, je peux te le dire.
c'est la même, vraiment hors du commun, mais plutôt difficile à digérer. Et pour cause, comment avez-vous pu vous êtes amour? Ah, ces jeunes, ils ne sont jamais satisfaits. Soit ils n'aiment pas les légumes, et quand on les mange à leur place, ils en font tout un plat. Bon, toujours est-il. Encore une affaire classée. Bon suivant. Les objets magiques, c'est mon métier. Miroir, petit miroir en deux. Oui, maîtresse.
fonctionne comme ça. C'est pour répondre à l'inspecteur Fouquet qui m'a dit qu'à chaque fois que j'entends un mensonge, je dois faire. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est ça, l'inspecteur curieux. Et qui donc a menti tout à l'heure? C'est l'inspecteur Fouquet. Et de quelle manière? D'abord en te disant qu'il ne s'est pas servi de ta baguette. Ah ah, ensuite? Ensuite en te disant qu'il n'a pas fait de bêtises avec. Oh oh, il aura fait beaucoup de bêtises et j'aurais des amis. Mais non, ce n'est pas vrai. Inspecteur Toutou, vous n'avez plus la parole. Silence. Deux bêtises. Eh bien, d'abord, il a marié le prince sournois avec la maman du petit Rémi. Quelle horreur. Après, il a empêché le loup de retrouver le petit chapeau rouge. C'est une faute, en effet. Le loup doit la manger. Ensuite, il empêche la reine d'empoisonner le rouge. Vous avez fait ça, monsieur Toutou? Mais c'est une grande erreur. De quoi vous mêlez-vous? Il faut absolument que Blanche-Neige soit empoisonnée pour qu'un prince la réveille ensuite et qu'elle devienne reine. Sans cela, elle va rester chez les nains toute sa vie, à laver la salle et à faire la vaisselle. Peux-tu me montrer le loup, s'il te plaît? Voilà, le cœur du loup. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux raconter, sinon? Il a mangé le petit chapeau rouge puisqu'il a le bébé rouge sur la tête. Ah non, c'est le bébé rouge et celui de la laine. Tu veux dire que le loup a mangé la laine? Et après, alors, la femme empoisonnée? La femme, elle est toujours. Alors, elle est toujours. Non, mais elle a été mangée par les animaux. Mais c'est un vrai massacre, vous entendez ça, monsieur Toutou? Oui, même sans famille, il a mangé.